Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un mini haul. Donc voilà, c'est un petit haul vite fait, bien fait. Donc déjà je voudrais m'excuser de ma longue absence. J'avais pas trop le temps entre la fatigue, la valise, les devoirs et tout. J'avais pas trop le temps. Puis là comme c'est les vacances, ben voilà, j'en fais comme ça. Et puis je savais pas si je voulais continuer, je me demandais est-ce que t'aimes vraiment faire tout ça, tout ça. Donc du coup bah, je me suis demandé, puis finalement je me suis dit que fallait que j'en fasse un petit peu, et puis après si j'aime pas trop, bah, je fais plus. Donc voilà. Et bon, sans plus tarder, on va continuer. Enfin, on va commencer la vidéo plutôt. Donc déjà j'ai acheté deux petits trucs. Enfin j'ai acheté à H&M, à Primark et deux petits trucs vite à Carrefour, parce que voilà. Donc j'ai acheté déjà une petite boîte de Skittles qui a coûté 98 centimes. Je me souviens. Enfin, il en reste 3, je vais pas les brûler maintenant. Il y a mûre, cerise, orange, citron, pomme, et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est cerise ou fraise, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une bouteille d'Arizona, donc Green Tea with Honey. Donc c'est 1,5 litre le gros machin. Donc voilà, elle est plus grande que ma tête. Donc voilà, et quand on tourne, t'as une bouffée de miel qui t'arrive au nez, et c'est impressionnant. Bref, j'ai goûté et franchement c'est pas mal, pas mal. Donc voilà, ensuite donc on va commencer par H&M parce qu'il y a pas mal de trucs et je vais me dépêcher parce que après ça, j'ai pas trop de temps. Donc déjà j'ai acheté, donc il y avait un truc pour ma mère aussi, mais elle est partie voir, bref. Il y avait un autre truc pour ma mère mais elle l'a pris, voilà. Donc j'ai acheté un petit top comme ça avec écrit Forever Free. Je crois que ça veut dire toujours être libre ou toujours libre ou je sais pas quoi. En tout cas je sais que forever c'est dire pour toujours, un truc comme ça, ou à jamais. Non, forever c'est ouais pour toujours. Et il a coûté 10 euros, voilà, 10 euros. Et voilà, avec les petites franges en bas, les petites plumes et tout, je le trouvais simple mais tellement beau que je l'ai pris. Ensuite j'ai acheté un petit gilet, enfin c'est pas un petit gilet, il est comme ça, il est bleu et derrière c'est comme des griffures blanches. Bon, on dirait pas des griffures mais c'est comme des trucs, ouais, comme si un chat avait griffé dessus, avec des griffures blanches. Donc voilà, je le trouve simple mais tellement joli. Les manches, il n'y a pas de manches en fait, on dirait pas qu'il y a des manches, vous voyez, elles sont avec le truc, ils sont dans le truc quoi, on voit pas, c'est pas comme les t-shirts où vous voyez on voit bien les manches. Non, là il n'y a pas de couture pour montrer. Enfin, s'il y a une couture, mais voilà, en plus les manches elles sont grandes. Voilà, je les trouve trop jolies. Si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre une taille au-dessus pour faire un truc long et flagada. Mais moi j'ai préféré prendre ma taille, donc voilà. Et il a coûté 15 euros celui-là. 15 euros le petit gilet. Donc voilà, je le trouve trop beau. Simplement beau. Simple mais bon. Donc ensuite j'ai acheté un petit haut aussi simple aussi, comme ça. Il a coûté 8 euros, donc je vais vous dire le prix. Voilà. Il est comme ça, donc il est un peu plus court devant que derrière, mais bon ça c'est pas grave. Et vous voyez il y a des petits motifs aztèques, c'est un peu aztèque, donc voilà. Si vous savez pas c'est quoi aztèque, c'est ça en fait. C'est des triangles, des traits et des trucs comme ça en fait. Et si vous connaissez pas le motif, vous allez voir sur internet, vous marquez le motif aztèque et puis vous le mettre. Et je le trouvais trop beau. Au début j'avais vu celui avec les papillons mais je me suis dit non mais c'est... Oh, non je vais pas mettre ça. Puis ma mère a remarqué celui-là et elle a flashé dessus. Donc du coup je l'ai pris et moi aussi je le trouvais tellement beau que je l'ai pris. Voilà. Puis le dernier petit truc que j'ai acheté à H&M, c'est une robe. Elle a coûté 20 euros. Enfin 19,99. Et je la trouve trop jolie. Donc elle est plus courte devant que derrière encore. Attendez, elle est à l'envers. Plus court devant que derrière. C'est des petits un fond bleu avec des fleurs et il y a une doublure pour pas que ce soit transparent, qu'on voit vos sous-vêtements. Donc voilà, et je la trouve trop jolie aussi. J'en avais une autre comme ça avec des fleurs roses mais plus petites les fleurs, donc voilà. Mais pour l'été, voilà. Ensuite à Primark j'ai acheté, ma mère s'est acheté
une petite trousse pour ce maquillage, donc voilà, make-up. Elle a coûté 4 euros. Voilà, et je la trouve simple. Et voilà. Et avec, ouais. Donc voilà. Ensuite, elle s'est acheté 3 paires de chaussettes. Une avec des losanges et des triangles à l'intérieur. Une avec des une rose avec des petits rectangles sur un fond blanc. Je ne sais pas trop c'est quoi le motif en fait. Et la dernière, c'est des triangles comme ça, avec genre des... Je sais pas comment vous expliquer, des trucs bizarres sur les côtés. Bref. Voilà, et je les trouve trop douces, trop chou. Au début, j'ai cru que c'était pour moi, mais en fait, elle m'a dit non, mais en fait, c'est pour moi. Recalage sec, donc voilà. Et je les trouve trop mignonnes, donc voilà. Ensuite, c'est des petits bas, tout simple, voilà. 3 euros. Voilà. Voilà. Ensuite, je suis un peu essoufflée. Ensuite, j'ai acheté des disques démaquillants pour les yeux et le mascara waterproof. Donc il y en a 30 dedans, donc j'ai acheté ça parce que des fois quand ça m'arrive de mettre un petit peu de mascara, ma mère achète souvent du waterproof, donc du coup bah il est waterproof. Donc c'est un peu difficile pour enlever, je suis comme ça, puis après mon œil il pique et voilà, donc c'est chiant. Et donc là au moins j'espère que ça va pas faire ça, en plus j'aime trop le paquet, il est tout rose avec des petits points et tout. Donc 1,50€ l'unité, ce qui me fait 3€ en tout, donc voyez, voyez. Ensuite, je me suis acheté une. Après, c'est tout. Ouais, une paire de chaussons. Comme ça, avec des petits pandas à fond bleu. Ils sont trop mignons, 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 mignons. Même là, il y a des petits pandas, vous voyez, ils sont trop choux. Ils ont coûté 4 euros. Oups. Ils ont coûté 4 euros. Voilà. Et. Ouais, voilà. Et dans la semelle, sur la semelle du bas, là, il y a des petits cœurs. Et les trouve tout simplement trop mignons, trop choux. Et j'ai hâte de les mettre. Elles sont trop mignons, trop mignons, trop mignons. Je les aime trop. Je les aime trop. Voilà. J'étais trop pressée de m'acheter de nouveaux chaussons parce que là, ils étaient un peu destroyés les autres. Et puis, le must, du must, du must, du must de ces achats, c'est enfin, 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 j'ai trouvé une jarre. Parce que je vous avoue quand même que ça fait depuis longtemps que je cherchais une jarre. Parce que j'avais envie d'en avoir une, et puis j'ai cherché sur des sites Amazon, My Little Shop, je vous l'écris en barre d'infos ou quelque part dans la vidéo. Et voilà, elle a coûté 3 euros, elle est pas chère, donc pour un prix comme ça, voilà, peut-être que voilà, au moins en plus quand vous la faites tomber, elle se casse pas, puis vous avez une petite paille rose et tout, vous verrez un peu les trucs de bière. Mais après, il n'y en avait pas d'autres sans poignée, mais moi je préfère avec poignée, hein, c'est plus agréable. Donc voilà. Dessus, il y a écrit Be Kind, je crois. Après, il y a Dream Big, Smile Happy, Say Hello, Be Grateful, Love Yourself. Ah oui, mon accent il est trop beau. Mais j'aime si tu trouves mon accent magnifique. Bref, et voilà, c'est écrit à la ligne comme ça, enfin à la en colonne. Voilà, et je la trouve trop belle, rose. Il n'y avait pas d'autre couleur que le rose, après les garçons, si vous en avez voulu une, il n'y a que du rose. Donc, voilà pour ce petit, enfin ouais, petit haul. Et pour Primark, en tout, non, ça c'est pas Primark. Si, pour Primark, en tout, si vous voulez savoir, on ne sait jamais, j'en ai eu pour un total de 18 euros. Donc voilà, c'est pas super cher. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bye bye.